Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Aujourd'hui vidéo spéciale, je vais vous parler d'un projet que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai fait un t-shirt en fait. Tout simplement, c'est le premier t-shirt que je fais et je suis vraiment trop content du rendu. Alors pour vous expliquer un petit peu avant de vous montrer, on était à trois sur le projet. Il y avait Raph, Anes et moi. Donc je vais vous expliquer nos rôles entre guillemets. Donc il y a Anes et Raph qui se sont plus occupés de la création du motif, création des écritures, création de tout. On a parlé à plusieurs pour les idées qu'on avait entre en commun, etc. Et moi je trouvais ça cool. Alors déjà pour vous expliquer, c'est parti d'un tweet, du mettre une connerie en mode ouais j'aimerais bien un jour faire une collab avec une marque, etc. Et du coup bah ils étaient deux à venir me DM. Et du coup bah, on a fait un truc en commun et c'est plus on va dire du merchandising entre guillemets. C'est pas ma marque personnelle, loin de là. Peut-être que j'en viendrai à faire une marque personnelle un petit peu plus tard, et pas tout de suite en tout cas. En gros pour vous expliquer un peu qui c'est, Anes il a une marque qu'il a déjà lancée qui s'appelle Simp. En gros son Instagram c'est bh.anes, enfin, je vous mettrai leurs Instagram ici et dans la description. Et en gros il va lancer ses premiers t-shirts à la fin du mois, très prochainement en tout cas. Il a déjà sorti une capsule lifeless, après il fait de la photo, du design. Raph il est plus dans la réalisation de covers, d'illustrations pour des rappeurs, des choses comme ça. Je vous mettrai aussi son Instagram ici dans le coin et en description. Il va aussi sortir une collection cet été et peut-être aussi en fin d'année il risque de sortir 2-3 trucs. Et puis bah il y a moi après que vous connaissez qui moi je vais relayer un peu les infos, je vais faire une vidéo que je fais là pour promouvoir, etc. Donc on sait, je vais, alors il y a deux parties, vous avez déjà le devant, donc c'est une écriture, on a décidé de faire une devanture de magasin en fait, que ça reste un esprit magasin de sneakers, etc. En gros sur le devant vous avez une écriture, donc on a appelé ça Beerus Shop. Après comme c'est pour ça que je pense plus que ça soit comme du merch, parce qu'on a entre guillemets le nom de ma chaîne, et voilà je trouve que c'est un truc qui est vachement cool, ça fait un peu aussi comme un cachet niveau de là, et c'est ça que je trouve vachement cool. De toute façon je vous mettrai des petits détails. Et au dos le plus intéressant, on a ce motif là en fait, donc on a vraiment une devanture de magasin, ça fait vraiment une vitrine. Donc on a le Beerus Shop qui est juste là avec le pied de la Travis, avec une illustration que Raph avait fait qui est vachement cool. On a 2-3 logos de marque, très discret quand même. Et cette devanture grise, on a la chaîne, les boîtes de chaussures, etc. Et c'est vraiment trop cool. On a aussi décidé d'ajouter des horaires d'ouverture. Vraiment, ça me fait penser un peu à un merch de concert, je sais pas pourquoi. Et on a nos petites signatures juste là, Beerus, Raph Simp. 2017 Sneaker Street, donc 2017 qui est l'année d'ouverture de ma chaîne. Beerus CA 0502, date de la création de la chaîne aussi, ça c'est vraiment cool. Et là vous avez un petit QR code, je sais pas si vous allez bien voir, et en fait ce QR code quand tu le scannes, et bah ça va ramener sur ma chaîne, et on avait vraiment trouvé ça délire entre guillemets. Et du coup voilà, en termes de quantité on en a pas mis beaucoup pour le moment, on sait pas trop comment ça va marcher, donc on a une trentaine de t-shirts qui sont dispo à 25€ sur le site de Anes, le lien sera dans la description, et au moment où je tourne la vidéo, ça sortira le 19 juin, donc dans une semaine normalement, si mes calculs sont bons et s'il n'y a pas de changement de plan. Donc voilà, le t-shirt est vraiment quali, on risque de le faire un tout petit peu plus épais, celui-ci est vraiment fin, c'est une sorte de prototype, il risque d'être un peu plus épais, ils sont en coton, c'est à peu près les mêmes t-shirts que ceux du Sneakers Event pour ceux qui se demandaient, et c'est de l'impression numérique. Et ils sont vraiment trop cool, enfin moi je suis vraiment trop content d'avoir pu réaliser en fait cette chose. Le t-shirt franchement je le kiffe, c'est exactement ce qu'il y avait dans mes attentes, et on a essayé de faire une sorte de propagande entre guillemets, on a posté plein de trucs sur Instagram avec des devantures, avec des grands panneaux publicitaires, etc. Je trouve ça vraiment trop cool. Donc voilà, après je n'incite pas à acheter les t-shirts, hein. Achetez-les si ça vous plaît, achetez-les pas pour me faire plaisir. Moi le but c'est que tout le monde porte le t-shirt parce qu'il kiffe, ça, et voilà, de ramener un peu ce milieu devanture de magasin, etc. Moi j'ai trouvé vraiment ça cool. Donc le lien sera dans la description quand le t-shirt sortira, donc pas au moment de la sortie de cette vidéo, ça sortira dans une semaine, mais je vous mets quand même le lien du site, vous aurez juste à cliquer, il y aura un petit onglet Beerus Shop, et de toute façon après vous inquiétez pas, sur Instagram on remettra toutes les infos. Donc voilà, j'espère franchement que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du t-shirt, je vais faire des petits plans de plus près, des petits trucs. Et bah voilà, j'espère que vous allez être content, qu'il y en a un maximum de personnes qui vont pouvoir acheter ce t-shirt là, je suis vraiment fier de ouf. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, n'hésitez pas à follow tous ces petits BG là qu'on fait ce joli t-shirt, et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.